Welcome back. So Alex Saab is still in the grips of the Venezuelan government, the Cape Verdean government, I must say. Now, we do know that sometime in June of 2020, Mr. Alex Saab, who's a businessman, a Colombian businessman, also known as a friend of the Venezuelan president, Nicolas Maduro, was arrested. He was arrested while he was in transit. He was going to Iran to undertake some business, and he has made a stop at Cape Verde to refuel his plane with some aviation fuel. Information later that we would gather from Cape Verde was that he was arrested because an Interpol red alert was triggered on his head. An ECOWAS court will later find out that Mr. Alex Saab was arrested way before the trigger was kicked in. But it's still being heard. You've heard from his lawyers. You've heard from other advocates. This morning, we've been joined by Antonio Tavares. He is a Cape Verdean politician, a former presidential aspirant, and also Awas Samuel, who's an interpreter. They are making a strong case for Mr. Alex Saab to be released. And we'll say good morning to them now. Antonio, good morning to you. How are you doing? Bonjour. Good morning. Good morning. Great. Good morning. Great. How are you? Morning. I'm alive. Sammy, how are you? I'm very well. And you? How are you doing today? I am greater than Accra. Okay, that's wonderful. Great. So I know that Mr. Antonio, for example, has filed a habeas corpus. Why did you file this? What's your interest in this whole Alex Saab matter? Okay. Pourquoi vous avez passé en justice avec habeas corpus? Quel est votre intérêt dans ce cas de Monsieur Alex Saab? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Oui, monsieur. Okay. Avant tout, permettez-moi vous saluer et vous remercier de cette opportunité que je suis en train d'avoir ici. Et je salue aussi mes frères et sœurs de l'Afrique qui sont en train d'écouter cette entrevue ici. Et c'est avec plaisir que je suis là. Et bien, nous parlons d'Alex Saab. Alex Saab, c'est un citoyen de Venezuela. Il est ambassadeur et dans le cadre de sa mission pour aller chercher des médicaments pour le COVID et des alimentations pour la Venezuela, dans sa trajectoire vers l'Iran, il a été privé de liberté avec une demande d'extradition de la part des États-Unis d'Amérique. Bon, cette situation ici, et m'a intrigué beaucoup parce que Alex Saab n'est pas un citoyen américain. Et moi, dès le premier instant, j'ai vu que l'Interpol n'avait pas fixé son nom dans la liste. Et j'ai vu des tas de procédures, questions de procédures qui étaient violées clairement et du respect de la règle internationale violées clairement. Et notre constitution aussi. Alors, j'ai pris la décision et basé dans la constitution de mon pays, article 36 de la constitution de la République de mon pays, qui dit que les citoyens peuvent demander habeas corpus pour, dans le cas de constatation d'une situation d'injustice, de privation de liberté. OK. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris et en croyant clairement dans l'innocence ici et vis-à-vis de la justice de Alex Saab. OK, Mr. Antonio started by thanking your media house for having decided to bring him in to find out these details as you asked in your question, and he's also thanking Africans who have, up to this moment, have been trying to come together. So he introduces Mr. Alex Saab as a Venezuelan and an ambassador who, in the face of the COVID pandemic, was going to look for COVID medication and also food items for his country, which is badly battered for a long time under the yoke of sanctions, but was arrested through the orders of the United States of America. And he thinks that, number one, as of the point of arrest, there was no red alert that was raised by Interpol. And that means that in terms of procedure, the procedures were violated
which actually requires such an extradition. And he thinks that the United States doesn't have any right, as of the point they actually asked for Mr. Alex Saab's arrest to do so. And that his constitution, that's the constitution of his country, Cape Verde, also has a provision for habeas corpus that gives citizens the right to actually intervene in such manners. And for now, he is trying to look at the innocence of Mr. Alex Saab as of the point of arrest. So this is the actual the interest he has in this case, or what motivated him to get into it yesterday. We know that Mr. Tavares is a politician, and he has presidential ambitions in his home country of Cape Verde. Is this not another political stunt? Nous savons que vous, monsieur, vous avez, disons, d'intérêt politique. Donc, ce que vous faites, ça ne fait pas partir de promouvoir votre intérêt politique, monsieur? Pas du tout. Pas du tout, parce que les Cap-Verdiens me connaissent bien, tous les dirigeants, à partir de 1995, ont pris connaissance de ma personne et qui tous m'ont invité à affilier au parti politique et dans certains moments, et par l'intermédiaire de leurs sympathisants, et j'ai toujours refusé. Je l'ai refusé au moment où j'étais en Europe, où j'ai vu que nous, les Cap-Verdiens, on était très divisés et plein de conflits au niveau insulaire, non? Et on a un clivage insulaire interne. Après, surtout ces moments dans le passé, là, ces moments-là, très forts, vis-à-vis de l'acceptation des Européens et en Europe, le pays concrètement où nous sommes, à cause de couleur de la peau plus claire, certains plus clairs, l'autre plus noir, mais pour nous, on n'a pas de couleur, mais malheureusement, c'est. Donc j'ai refusé toujours faire partie du parti politique. Et je me suis engagé dans le sens de dignifier notre communauté dans sa globalité. Je me suis battu tout le temps. Donc si c'était pour la politique, aujourd'hui, je ne serais pas là. Je serais dans les systèmes. Dans les systèmes. J'allais penser comme eux. Okay. Parce que, voilà. D'abord, il faut que je prenne avant que vous ne continuez, monsieur, s'il vous plaît. Oui. He's saying not at all, that politics is not at the roots of what he's trying to establish. That he has been known in his country for his activism ever since 1995, and that he has refused all offers and overtures by the ruling party to bring him in. That if it was actually for politics, he wouldn't even be in the position where he is found today. He would have already joined them a long time ago. But he's actually known ever since he was in Europe. He has always stood for the dignity of his people because he found out that politics has been an instrument of division and destruction of his people. His people are hardly united on issues if you are not part of the political or ruling class. Therefore, it should be known clearly that the politicking or politics was never at the root of why he decided to take the decision to take up the case. On what basis does Mr. Tavares agree that Mr. Alex Saab is not guilty of the allegations that have been made against him, particularly the allegations of money laundering? A court in Florida, for example, had slapped that charge on him and said that he was in bed with Venezuelan President Nicolas Maduro and also some inner members of his circle. Why is he so confident that Mr. Alex Saab is not as guilty as it's been pronounced? Bon, il veut simplement savoir pourquoi vous croyez que M. Alex Saab n'est pas coupable de ce qu'on lui a présenté, parce qu'on dit qu'un cours au niveau des États-Unis à Floride a déjà passé, disons, des jugements contre lui pour le blanchiment d'argent. Comment, parce que lui, il est très proche du président de Venezuela. Comment vous pouvez dire qu'il n'est pas coupable de ce qu'on lui a présenté, oui? Vous savez qu'il existe un droit, un principe, que c'est le principe de la présomption de l'innocence. OK. Non? Et d'autre côté, ce qui se passe pour les questions de adocratie, pour les adocraties, c'est la capacité d'aborder les questions qu'on a sur la table là. Les questions ad hoc, là. Et en parlant de cette situation d'innocence vis-à-vis de Alex Saab, ici, ça ne pose pas le problème d'être coupable ou innocent. Hein? Vous avez clairement, même dans un jugement, non, dès que le dossier est vissé
a des vices au niveau des formes, non? Et aussi dans ce cas-là, du fond, parce que du fond du droit, non? Des procédures, vices des procédures, non? Il est suffisant pour que aille en non-lieu et innocenter les personnes parce que et les choses déjà à bénition, de départ, c'est vicié à des vices. Moi, je trouve que et Alex Saab est en train d'être victime d'une déprocédure parce qu'il n'a pas eu une procédure correcte et au niveau des compétences, qui a des compétences pour émettre l'ordre des traditions d'un citoyen de tiers, né, parce qu'il n'est pas américain, il est vénézuélien, et Cap-Vert, et Alexandre n'a pas aucune liaison avec Cap-Vert. Donc, et ça veut dire qu'il a une instance, que c'est l'Interpol, qui devrait effectivement analyser, peser les liens de causalité, non, et émettre une avis des traditions. Et d'autre côté, et voilà, je pense que Cap-Vert, bon, ça, c'est, ça devient par après, mais par moment, c'est ça. OK. Mr. Antonio believes that in law, there is what we call the principle of innocence. Right. Somebody is presumed innocent until proven guilty. Oui. And in this case, at no point in time was Mr. Alex Saab given that opportunity to prove himself innocent. Mm. But rather, we found a faulty procedure where somebody, a third-party citizen who is not American and also not Capverdian, was arrested under the instructions of the United States, even without the international agency, which is endowed with such a capacity to do so, which is Interpol, had not even flagged the red flag. So for him, he sees a situation where what is done is improper, particularly taking the circumstances under which it happened. So we must actually take to the roots and know that the man should be presumed innocent until proven so. And also the international agency, Interpol, should have been part of the procedure which was faulted ab initio. Sam, I know that Mr. Tavares wants to be president of his country. Two questions I would ask him. Number one, does he think that national and international sovereignty of countries within the African continent is being questioned or is being put in some level of diplomatic jeopardy? That's one. And number two, what would he have done if he had been president of his country now? What would he have done differently? Okay, Monsieur Antonio, lui, il dit oui, il sait que vous avez l'intérêt de devenir président dans votre pays. Mais pour le moment, il y a des questions, deux choses qu'il voulait savoir. D'abord, est-ce que vous croyez que la souveraineté nationale et internationale est mise en question dans ce cas de Monsieur Saab? Et deuxièmement, si vous étiez le président de votre pays à ce moment-ci, qu'est-ce que vous allez faire différemment? OK, bon, au niveau de la souveraineté, nous, on a notre article 11 de notre constitution, numéro 1, non, qui dit que l'État du Cap-Vert, c'est un État qui régit, né, par les principes de l'indépendance nationale, respect pour les droits internationaux, pour les droits humains, égalité entre les États, non-ingérence dans des affaires d'autres pays, d'autrui, internes, d'autres États. Les principes de réciprocité d'avantage, la coopération avec tous les autres peuples, la coexistence pacifique. Et son paragraphe 5, il dit que l'État du Cap-Vert fournit l'organisation internationale, en particulier les Nations Unies, l'Union africaine, la garantie de la paix, de justice internationale, bien comme le respect pour les droits, liberté garantie, droits fondamentaux. Hein? Il aide dans l'effort des communautés internationales pour assurer le respect des principes consacrés dans les cartes des Nations Unies. Ça nous dit tout. Avec ça, on régisse effectivement. On ne pose pas les problèmes de la souveraineté du Cap-Vert parce qu'on a notre carte magne, la carte de la Constitution de la République. D'autre côté,
on a nos engagements internationaux. La CEDEAO. La CEDEAO, c'est une instance supranationale, dans le cas du Cap-Vert, non? Qui, nous avons l'obligation de pacter, d'accord, que nous devons accomplir, nous devons suivre, accepter lors des instances supranationales. Et c'est la règle, dure à l'ex, celle de l'ex. La loi, c'est dur, mais c'est la loi. On veut pas. Si on veut les changer, il faudrait, dans un hémicycle, on propose les changements. Ou au niveau du référendum dans les pays, consulter la population pour les changer. Ça, c'est les premières questions. Si vous voulez traduire, après, je réponds la deuxième question. OK, oui, il faut que je traduise d'abord la première. Voilà. OK, let me take the first aspect that has to do with my sovereignty before you take the second one. OK. He said that the constitution of his country in Article 11 says very clearly that Cape Verde is an independent and sovereign nation that and his sovereignty must be respected as much as it also respects the sovereignty of other nations and also international sovereignty, as the case may be. For this reason, Cape Verde is also committed to peaceful cooperation and coexistence with other countries, with non-interference in the affairs of other countries. Mm. And if Cape Verde does that, then there should be no reason whatsoever why others should actually toy with the sovereignty and the sovereignty of the people of Cape Verde as enshrined in the Constitution of Cape Verde. And this is the reason why, as guaranteed in both the United Nations and African Union's charters of human rights and fundamental freedoms, Cape Verde actually believes that individuals enjoy this part of the freedom. And therefore, it is unconscionable for Cape Verde to be part and parcel of those who will actually want to infringe on these freedoms which individuals actually enjoy, unless if it's no longer in a democratic setting. And if that is the case, then it means it has to go through a referendum for that part of the constitution to be changed. But for as long as it exists, then Cape Verde should enjoy and also extend the enjoyment of sovereignty to other nations too. Oui, allez-y à la partie 2. Oui. OK. So, pour la partie 2, we don't have a lot of time, so I would like for him to make the answers very, very brief so that we can exhaust the conversation. Il dit que nous n'avons pas assez de temps, donc il faudrait que les réponses soient si courtes. OK. Et vis-à-vis de ce que je ferai, pur et simplement, je respecterai la règle de la Constitution et des normes internationaux. Il y a une question aussi de procédure qu'on doit suivre. Et d'autre côté, Alex Saab n'a pas commis aucun crime dans le pays. Non, on ne peut pas lui maintenir en prison. Et voilà, c'est sur la base des principes qu'il n'a pas de peine s'il n'a pas de crime. Donc, on ne peut pas... C'est la contradiction. OK. On the second part, what he is doing or what he would have done differently if he was a president, he said he would have simply respected the constitution and international law in this matter. He wouldn't have gone ahead to infringe on the rights of somebody who is supposedly innocent but has been incriminated by a third party who is not even their national, he is not their national, and also that party doesn't have the right to come and dictate to Cape Verde what Cape Verde should have done in this particular case. Mm. My final question to him, an ECOWAS court has ruled that Mr. Alex Saab should be freed. Mr. Alex Saab, by the way, is a diplomat from Venezuela on the ticket of the African Union. What does he think this means? The refusal, I mean, of the Cape Verdean government to release Mr. Alex Saab. What does it mean for intercontinental trade, African unity, and the sovereignty of the continent? What does it mean for us? OK, lui, il dit que pour le moment, la cour de la CEDEAO a passé jugement pour qu'on puisse libérer M. Alex Saab. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement capverdien ne veut pas faire cela? Et qu'est-ce que vous pensez cela va affecter, disons, les relations internationales dans ce cas? Oui, ça va poser des problèmes au niveau de la, d'abord, de la partie de CEDEAO, la crédibilité, une question de crédibilité. Et par contre, on doit savoir quel est l'impact des décisions, des prises de décisions de CEDEAO sur les États membres. Est-ce que les États membres peuvent se donner au luxe de ne pas accater de l'ordre d'une instance juridique supranationale?
Ça, c'est un problème qui reste. D'autre côté, c'est le Cap Vert vis-à-vis de son intégrité d'État, non? L'honnêteté vis-à-vis de son engagement, non? La fidélité des engagements, non? Et ça se pose à ce niveau-là, ce type de problème ici. Alors, on peut penser aussi, mais est-ce que si Cap Vert fait ça, alors à partir de maintenant, n'importe quel État fait n'importe quoi et les CDAO agissent, ça reste comme ça. Et ça veut dire que les CDAO, c'est une instance superflue et que c'est, qui n'a pas de vinculation, son nation n'est pas vinculée, que c'est, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, il faudrait, et ces problèmes restent en l'air. Il faudrait que la CDAO prenne la position. OK. He's thinking that this is a moment in time when the credibility of ECOWAS as a supranational organization is brought to question. That number one, if truly Cape Verde goes away with such a decision, then it actually puts a serious question mark on the credibility of ECOWAS as a supranational organization that brings together about 15 member countries. If that is done, it means that other countries can go ahead also not to respect ECOWAS decisions. And that will be too bad for the organization. And that will eventually mean that ECOWAS as an organization may just be a dog that cannot bite. So it is the moment for ECOWAS to take a decision so that ECOWAS decision and its credibility can be restored. Thank you. Merci beaucoup to you. Our Samuel is our interpreter for this morning. And also Antonio Tavares is a Cape Verdean politician there speaking on the conviction of Alex Saab and the raging demand for his release from incarceration in Cape Verde. Thank you very much, gentlemen, for your time and all the best.